longtemps tu vas tenir. Fire!
seul morceau. J'ai cru... Tu as mal cru. Jetons un œil. C'est peut-être le laboratoire de l'elfe, où je m'appelle plus Kéramès. Regarde, l'elfe a laissé un autre message à Simon. Bon, voyons ce que dit le message. Jiriel, cet endroit n'est plus sûr. Parle ici sans tarder. Ne fais confiance à personne, et surtout pas aux sorcières du marais de Torséchir. Essaie d'atteindre le lieu de notre dernière rencontre. Le lieu de notre dernière rencontre. C'est un peu maigre comme indice. Chier. Il est peut-être préférable que son message soit cryptique. La chasse sauvage est passée par ici, ils ont sûrement vu la projection. Ils ont fouillé partout. S'ils avaient eu plus de temps, ils auraient certainement rayé cet endroit de la carte. Ça ne change rien au fait qu'on en est toujours au même point. Rien de neuf au sujet de l'elfe ou de Ciri. Au moins, nous savons maintenant qu'ils se connaissaient bien, et qu'ils voyageaient ensemble. Ils se sont séparés. Si la chasse sauvage était aux trousses de l'elfe, il a peut-être voulu éloigner Ciri pour la protéger. Les sorcières du marais de Torsépine. Non, Torséchin. Kera, je te préviens. Si tu me caches quelque chose... Mais je n'ai pas dit que... Tu les connais, ces sorcières ? Je ne les ai jamais vues, mais... J'ai trouvé un vieux manuscrit à leur sujet dans l'une des huttes du village. Ils racontent que les sorcières de village s'aventurent parfois dans le marais pour jouer les intermédiaires entre les villageois et les moires, les dames de la forêt. Les moires détestent les étrangers, mais elles protègent la région. Apparemment, ce sont elles qui auraient éradiqué l'épidémie de Vélène. Je vois. Et tu en penses quoi ? J'aimerais y voir de simples contes de bonnes femmes, mais j'en ai rapidement eu le cœur net. Les premières semaines après mon arrivée à Vélène, j'ai fait d'horribles cauchemars. Quelque chose m'appelait dans le marais. Une nuit, j'ai décidé d'entrer dans mon rêve consciemment. J'ai confronté... la chose. Elle a tout de suite rompu le contact, et mes nuits sont redevenues paisibles. Pourquoi tu m'as caché tout ça ? Je t'ai pourtant dit que Ciri avait eu des ennuis avec une sorcière. Je ne pouvais pas deviner qu'il s'agissait d'une moire. De toute façon, si je t'avais dit quelque chose, tu aurais foncé tête baissée. Il fallait tout de même venir ici pour confirmer le passage de Ciri, non ? Maintenant que c'est fait, je vais tout te raconter, évidemment. Tu veux dire maintenant que je t'ai aidé à traverser la caverne ? Geralt, tu me fais de la peine. Tu as vraiment une bien piètre opinion de moi. Ou peut-être des magiciennes en général. On se demande bien pourquoi. Comment trouver ces sorcières ? Les marais sont vastes et dangereux, mais les moires marquent le chemin pour les paysans qui veulent leur rendre visite. Le manuscrit mentionne un hôtel dans le marais de Torséchin. À partir de là, il faut suivre le Sentier des Douceurs. Le Sentier des Douceurs ? Suis-je bête ? On ne vous lit pas de contes à Kermoren. Le premier paysan venu te dira que les sorcières vivent dans des maisons de pain d'épices montées sur des pattes de poulet. Je croirai quand je le verrai. Prends ce livre et lis-le. Je crois sincèrement que tu trouveras ta seule. Bien. Commençons par chercher un moyen de sortir d'ici. Bonne idée. Ah, nous perdons notre temps.